Ces coups de sifflet qui sont entendus et qui dominent la rue présidentielle sont celles des étudiants de la province du Nord Kivu pour la réclamation de leur bis Transacadémia, comme ils ont été promis par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Comme leur objectif était de lire leur mémo devant l'autorité provinciale, tous devant le gouvernorat. Malheureusement, à l'absence du gouverneur, les étudiants ont été reçus par le général Danny Yangba. Nous sommes venus là, délégués par l'autorité provinciale, qui n'est pas ici sur place, mais qui a eu déjà écho de votre présence ici. C'est pourquoi il m'a délégué. Moi, je suis son conseiller principal en charge des opérations, mais en même temps aussi de l'intérieur, sécurité publique, sécurité, ordre public, administration du territoire. Le général, il est en charge de l'enseignement et tous les autres portefeuilles. Nous sommes venus devant vous pour écouter ceux pour lesquels vous êtes venus ici devant le gouvernorat. Comme ça, on va transmettre à l'autorité. Comme ils sont autorisés à lire leurs mémos, voilà les revendications qui ont été exposées par les porte-parole des étudiants de la province du Nord Kivu, Akilimali Linjanja. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Son Excellence, Monsieur le maire de la ville de Goma, avec l'expression de nos hommages patriotiques, nous, étudiants de la province du Nord Kivu, dans la REIC, venons à ce jour auprès de votre haute autorité pour vous adresser les difficultés auxquelles nous faisons face dans notre province. Plus précisément, les difficultés d'insécurité, de la détérioration de la situation socio-économique, des catastrophes naturelles, ainsi de suite. À cela s'ajoute ce bouclage que nous sommes en train de vivre dans la ville de Goma, qui vient de compromettre le parcours des étudiants de la province du Nord Kivu pour ceux de Goma en cette fin d'année académique. Excellence, nous sommes en difficulté pour les étudiants qui viennent de Mugunga, CCLK, Kituku, ULPGL, Ndosho, Katoy, Centre-ville Majengo jusqu'à Birere, d'où les étudiants de l'université de Goma, les étudiants de l'ISC, les étudiants de l'ISTA, les étudiants de l'ISTEM, les étudiants de l'ULPGL Goma, les étudiants de l'Université catholique Sapientia,